qu'on appelait le cul de Paris. C'était le mot plus élégant, c'est la tournure qui se drapait derrière. Ici, il y avait des manchettes au museau. De chapeaux, de modistes, de fausses fleurs, de faux plumassiers, tout ça, c'est incroyable. Et il y a la jupe en dessous avec ça. Donc ça, c'est très, très, très galbé. Et de profil, c'est vraiment comme ça. Le cul de Paris, ça remontait derrière et ça repartait après. Voilà, ça, c'est une parisienne impressionniste de 1872.